Salut. Une fois de coutume, j'aimerais m'excuser auprès de toi pour. Oui, ben voilà, demain, on nous annonce de grosses quantités de neige sur l'ensemble du territoire. Et voilà, ben, je m'excuse déjà parce que tu vas certainement être en retard au travail à cause de nous parce que on va certainement pas réussir à déblayer toute la neige à l'heure où tu pars d'habitude. Donc, tu nous excuses. Je m'excuse déjà de t'embêter sur la route parce qu'il y a des chances qu'on soit devant toi quand tu pars également à ton travail. Donc voilà, je m'excuse, hein, on va t'embêter un peu. On s'excuse aussi parce que peut-être que toi tu prends le bus et qu'au lieu de 14, le bus passera peut-être à 20. Donc ça te fera 6 minutes de retard. Hein. On s'excuse hein, si le bus n'est pas à l'heure à cause de nous. Et puis je m'excuse aussi déjà si tes enfants auront les pieds mouillés en allant à l'école demain matin, parce que comme ils ont l'habitude d'avoir leurs petits souliers, on n'aura peut-être pas eu le temps d'enlever toute la neige des trottoirs, donc ils auront certainement froid aux pieds et les pieds mouillés. Donc voilà, je m'excuse déjà à l'avance. Et puis également, tu m'excuses parce qu'il y a de fortes chances que, vu la quantité de neige, en passant la lame, on risque d'en laisser un petit peu devant l'entrée de ta maison. C'est fort possible, ça va t'embêter un tout petit peu, puis comme t'as pas de pelle pour la déplacer, voilà, tu vas être coincé. Donc voilà, je m'excuse, hein, à cause de nous, tu vas être embêté pour sortir de ta maison. Ben voilà, donc j'espère que tu m'en veux pas. Si tu as déjà préparé un mail là, pour envoyer à ta commune ou à ta régie pour te plaindre des conditions de demain, ben envoie le mail maintenant, on gagne du temps, comme ça on peut analyser la situation. Ok, ben voilà, sinon, ben, je te souhaite quand même une bonne journée, puis à la limite, ce que tu peux faire le matin, si vraiment t'es coincé, tu peux faire comme d'habitude, quand t'as pas envie d'aller bosser, tu dis que t'es malade, et puis tu restes à la maison. Allez, bye bye!